La culture est omniprésente à Wendake. À l'école Wata, elle se vit au quotidien. Dès l'arrivée, on peut voir la cour d'école que nous avons. Nous avons repris le concept ancestral, donc notre maison longue est là, notre cabane d'automne. On a des aménagements, les clans sont représentés. Omniprésent dans la formation, dans les évaluations, dans le contenu. On prend le calendrier agraire de Wendake et on vit en fonction des saisons. Présentement, mais c'est la pêche, mais on va à pêche. À l'automne, mais c'est la chasse, on va à chasse. Dans leur cours, c'est la même chose. Pour la langue, il faut savoir que ça fait plus de 100 ans que le dernier locuteur Wendat parlait le Wendat. Bonjour! Oui! Oui. On a des linguistes qui ont refait notre lexique, qui ont fait nos mots de Wendat. Et présentement, nous enseignons la langue Wendat à l'école. Notre école s'appelle École Wata. Le mot Wata veut dire érable. Une maman qui m'est arrivée, elle dit, mon fils a le goût de venir à l'école. Bien, avec le club des petits déjeuners, là, tous les matins, là, il est responsable, puis il vient, puis ça le valorise. Puis là, il a hâte de partir, il a hâte d'arriver à l'école, puis il se sent utile, puis il a une responsabilité. Mais quand on voit une chose comme ça, on dit, l'impact, là, on ne peut pas virer en arrière. Il faut qu'on donne trois collations différentes aux enfants. Fait que donc, on a mis une, déjà, qu'on a mis une galette. Là, rendu ici, on vient chercher le fromage, le Baby Bell. Ce que l'école aime le plus, c'est les granolas. Parce que quand je descends en bas, il n'en reste presque plus dans chaque bac. Allez, tout le monde, on vient prendre notre train pour le déjeuner! Toute l'école mange chaque matin. Tout le monde est comme content d'avoir la collation. Mon personnel. Ils font la différence. Ils croient en la réussite de chacun des élèves. Et vu qu'on croit en la réussite, on peut faire des miracles avec nos enfants.